Bonjour à tous. Je suis Camerounais. Les gars, Loin qu'est-ce qu'il d'être y a? partisan de la fédération, du ministère des Sports, je vais Laissez-moi, te c'est poser mon une seule gars. question. Qui a mis l'entraîneur en mission pour Hein? encadrer les footballeurs? Qui l'a mis en mission? Est-ce la FECAFOOT? Est-ce le ministère des Sports ou les deux? Souvenez-vous du cas Conceição, quand vous regardez les correspondances du ministère des Sports, qui avait été nommé par le ministère des Sports. Mais lorsque Conceição porte plainte, il porte plainte à la Fédération Camerounaise de football. Au cas où cet entraîneur, au cas où il ne serait pas retenu, où il ne pourra pas être retenu, même par le ministère, même par la Fédération Camerounaise de football, il va se plaindre chez qui? À la FIFA. Qui l'a mis en prison, en mission? Cet entraîneur rencontre des gens. Je suis content qu'il y ait un joueur là qui l'a accepté, qui a accepté de le rencontrer. Pourtant, il ne parvient pas à rencontrer Banola. Il ne parvient pas à rencontrer Banola dans sa propre famille. C'est pas ça le problème. Je reste focus sur ceci. Qui a mis le joueur en mission? La fédération a-t-elle déjà validé le contrat en coulisses? Le ministère a-t-il déjà validé le contrat en coulisses? Les deux ont-ils validé le contrat en coulisses? Ou alors, c'est toujours l'engagement et rien que l'engagement? Je pose encore la question aux uns aux autres. En tant que Camerounais, un Camerounais qui perd le stade pour voir le championnat de football, première division, deuxième division, qui paye son billet d'avion pour aller supporter les Lions en retard, qui paye le stade pour voir les Lions en retard, est préoccupé. Parce que ce qui peut arriver ou pourra arriver au cas où, je dis bien au cas où, qui a validé, c'est-à-dire que l'entraîneur aille rencontrer les joueurs. Est-ce qu'il rencontre les joueurs pour les recruter dans une autre équipe qui l'entraînera tôt ou tard ou plus tard? Dans tous les cas, pour le moment, c'est la question de Serge Tamba. Qui a mis l'entraîneur en mission? Le Blanc en mission. Moi, je ne veux même pas citer son nom. Si c'est bien notre entraîneur, en mission, oui, c'est-à-dire qu'il a été validé par la FECAFOOT et par le ministère. S'il a un contrat, c'est-à-dire qu'il a été validé par le ministère et la fédération qui a mené le football. Ça veut dire que on a oublié le décret du chef de l'État. On l'a carrément oublié. Moi, je suis défenseur de la République, défenseur de l'État du Cameroun. Je suis Camerounais et j'ai ce droit de poser cette question. Qui a mis l'entraîneur en mission? Est-ce qu'on oublie le décret, c'est le décret, ou alors on dit le décret n'est plus le décret? Qui a mis l'entraîneur en mission? Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est ténacé, le psychiatre est cas, ciel ouvert. Qu'est-ce qu'il y a les gars? C'est mon bon petit cobayon préféré. Quand je veux savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des officines de la FECAFOOT, ce n'est pas dans les autres murs que moi je n'ai pas regardé. Je regarde le cœur de mon frère ici et je sais exactement quel est le rythme qui est en train de se passer. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Il pose pas une question bête, hein. Il pose pas une question bête. Il pose une question simple parce que la Fédération Camerounaise de football, c'est quand même encore quelque chose qui gère le foot au Cameroun. Quitte à ce qu'il nous explique que non, ça n'a plus, ça n'existe plus. C'est encore elle qui doit mettre le bonhomme en mission. Ben oui. C'est la fédération, c'est la FECAFOOT qui doit mettre le Marc Brice en mission. Et là, Marc Brice en mission, donc il a été mis en mission. Quand il dit qui a mis, il pose seulement les questions pour embrouiller le monde. Parce qu'en fait, c'est des bonhommes à l'intérieur de la boîte de sardines. Ils n'arrivent pas à trouver un rythme. C'est compliqué. Quand on dit que qui a mis qui en prison, en fait, en mission, il sait très bien qui a mis Marc Brice en mission. La question qu'il vous pose est une question rhétorique. Il sait que non, si Marc Brice est en mission, Marc Brice est en mission parce que Moïse Combes l'a mis en mission. Si Moïse Combes l'a mis en mission, c'est parce qu'il a reçu les hautes instructions pour qu'il mette Marc Brice en mission. C'est quelque chose de clair et de fondamental. On n'a pas besoin de midi à 14h pour parler de ça. Donc, mais il préfère poser des questions parce qu'évidemment,
Le courage, c'est pas la chose qui l'anime le plus. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, là, tu as peur de prononcer le nom de ses papas et de ses mamans. Donc, s'il dit, par exemple, le nom de moi, le Kombi, il dit le nom de Ngongo, il dit, ça va le déranger. Il n'a pas le droit. Ça, c'est le problème, les chaînes des gens qui ne sont pas libres. C'est-à-dire qu'il n'est pas un homme libre. Il peut même pas mettre des noms parce que il est trop compromis. Parce qu'il est trop compromis, parce qu'il est au grand écart. Il ne sait pas entre le chef de l'État, Dadis, machin. Il est un peu perturbé. Ça, c'est ce qui, c'est un peu comme la possession. Il est possédé. Son esprit ne part pas d'une, ça ne suit pas une logique. Mais il pose des questions quand même, parce que celle-là, c'est une question totalement logique. Mais ça, là, c'est pas le plus important, les enfants. Vous êtes face à une situation des gens où des gens ont mis leur intérêt individuel au-dessus de l'intérêt du pays. Au-dessus de l'intérêt du pays, mettez-vous à la place des joueurs. Mettez-vous à la place des joueurs. Ils sont en sécurité comment? C'est-à-dire que ce sera la première fois dans l'histoire où on voit les joueurs qui sont partagés entre le ministère et la FECAFOOT. C'est-à-dire que si les gens pensaient au pays, s'ils pensaient à l'intérêt du pays, ils ne pourraient pas se mettre dans cette situation. C'est parce qu'en fait, ces bonhommes-là, le pays n'est qu'un élément qu'ils utilisent pour mener leur bagarre personnelle. Mais ils ne se bagarrent pas pour l'intérêt du pays. Parce que tu te bagarres pour l'intérêt du pays, pour l'amour du pays. S'il y avait seulement un peu l'amour du pays dans cette lutte que vous voyez là, ils devraient déjà s'assurer qu'il y a des mécanismes qui mettent en totale insécurité notre pays. Parce que qu'est-ce qui va se passer au final? C'est que quelqu'un va partir, l'autre va partir, personne va aller en prison, personne va payer. Mais les qui vont prendre, c'est le pays. La question qu'on devrait se poser, nous les Camerounais, c'est pour ça que quand vous êtes divisé entre MINSEP, FECAFOOT et tout, vous laissez le pays à l'abandon. Le pays est laissé à l'abandon parce que ce qui va arriver, c'est quoi? C'est que c'est le pays qui prend cette salissure. Regardez les joueurs. Les joueurs sont là. Ils disent que, oh, il y a un joueur. Non, le gars, il a rencontré plusieurs joueurs, le Magris. Il a regardé le match, il a regardé les Christophe, où il a fait ceci, patati, pataron. Et que les joueurs ne peuvent pas dire que, non, je ne veux pas le rencontrer. Oh. Comment le joueur va dire que je ne veux pas le rencontrer? Il reçoit une lettre du MINSEP. Sa tête bug d'abord. Il sait qu'il devrait recevoir l'aide de l'AFECAFOOT. Mais là, il reçoit une lettre du ministère. Donc, il ne sait pas ça. Son petit cerveau est en train de... S'il dit non au ministère, il est dans le fire. oui, c'est ça qui arrive dans la tête des joueurs. Les joueurs ont tous reçu une lettre venant du ministère, disant qu'ils doivent recevoir le nouveau coach. C'est ça que lui ne veut pas dire. Pourquoi? Parce que, je sais pas, ils jonglent encore entre eux, c'est compliqué. Pour qu'ils suivent une logique, ça c'est quand les gens ne suivent pas la logique. Le pays a été sacrifié pour des intérêts égoïstes. Ok? Pour des luttes intestines de pouvoir. Vous devez le voir de manière claire. Pour ça, si tu n'as pas de l'amour pour le pays, que tu as l'amour pour les gens, si ton amour pour les gens, c'est-à-dire que, entre les mises, si ton amour pour Dadis Camara est très grand, ou ta détestation, parce qu'il y a ça, c'est toujours des émotions. Soit tu détestes, soit tu aimes. Si soit ton amour pour Dadis Camara est plus grand que le pays, et tu acceptes, tu dis que tu commences à faire comme quelqu'un dont l'amour a pris la tête. Soit ta détestation d'Addis Camara est beaucoup plus grande le pays et tu ne vois pas la main de moi, le combi, dans la destruction du pays. Voilà tout ce qu'il fait là. C'est que, en tant que ministre, il colle la honte sur le pays. Il colle la honte sur le pays. C'est-à-dire qu'il fait un bras de fer ridicule. Il montre, il colle la honte sur le pays dans son attitude. Dans son attitude, ce mot de combi. Mais il colle la honte dans son attitude. Ça, c'est à un moment donné, quand les gens ne pensent plus en termes de pays, quand ils ne pensent plus en termes de pays, mais ils pensent en termes de personnes, l'amour que vous avez pour les gens. On dit que l'amour, ce n'est pas un sentiment qu'on avait. Une personne, je t'aime, toi aussi, je t'aime, moi aussi, je t'aime. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. C'est sentir bien quand tout le monde se sent bien. C'est être prêt à donner du sien pour que tout le monde, le bonheur collectif, soit une réalité. Ce n'est pas une histoire de je t'aime moi non plus. Non, c'est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus grand, c'est de pouvoir dire que non. Le bonheur collectif est quelque chose qui intéresse le collectif. Qu'est-ce que nous avons en commun? C'est le Cameroun. Quand vous partez, vous rangez derrière les blocs des personnes.
C'est horrible. Vous mettez donc des personnes au-dessus de l'intérêt supérieur du Cameroun. Et là, par exemple, ce qui se passe, c'est que le seul endroit qui prend, quand vous entendez souvent, ils salissent l'image du pays. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est qu'on a ça, c'est alors salir l'image du pays. Vous voyez? Mais on vit dans un monde où les valeurs fondamentales ont été très agressées. C'est dommage. Les enfants, c'était le troisième podcast en direct de la clinique. Seul l'amour pourra nous sauver. Ce que je dis pour vous, vaut également pour moi-même. Cobaye de ma propre expérimentation, quand je parle de vous, je parle aussi de moi. C'était papa.